Ne bougez pas. Salut Tom. Salut patron. Alors vieille branche, pas de neuf. Ça va, pas trop mal. Et ce bras, comment il va? Ben mon Dieu, je viens de passer à radio de contrôle. Le Toby m'a dit que ça va mieux et que d'ici 4 jours je pourrais sortir. Ah ben c'est bien. Pas de neuf patron. Eh ben, d'abord, je t'ai amené un petit remontant. Je vais trop m'emmerder pour pouvoir l'ouvrir. Oui, ça c'est vrai. Eh bien, est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Wilson? Quel somme? Jean a-t-il dépensé? Hé, hey, ton père, c'est un voleur. Non, ce n'est pas vrai. Oh, son père, c'est un voleur. Oh, la voleuse. 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 Oui? Oui, faites l'entrée. Alors, madame, bien décidée, est-ce que je prenne l'affaire en main? Oui, bien sûr, j'ai bien réfléchi. Pour sortir mon mari de cette affaire, une fois l'homme comme vous. Comme vous devez le savoir, il n'était pas dans cette banque ce jour-là. Oui, c'est bien ce que me dit le rapport que j'ai ici. Votre mari dit. Exactement. Une fois, l'enquête révèle que le peigne trouvé à la banque et les fragments de cheveux appartiennent à votre mari. Avec de telles pièces à conviction, c'est foutu d'avance. Mais c'est peut-être possible. Mais mon mari n'était pas à la banque le jour du hold-up. Il vendait des sandwichs à la fête foraine. Alors patron, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as entendu depuis ton bureau? Oui, oui. Elle croit que comme ça, je vais aller à la PJ, le bec enfariné, voir monsieur le commissaire et lui dire « Wilson n'est pas coupable ». Dans le dossier, il est complet. Et je te peux te croire qu'à la PJ, ils savent ce qu'ils font. Oui, c'est bien pour ça que vous êtes sorti. Non, mais regarde-moi ça. Un truand qui se dit soi-disant ranger des voitures. Ah, j'ai vu ça pour Charles Stone dans le canard, oui. Oui, la plupart des employés l'ont reconnu à la banque. Regarde, deuxièmement, on retrouve son père et le laboratoire d'analyse est formel. Ce sont bien ses cheveux. Et enfin, lui-même est incapable de citer un témoin qu'il aurait vu à la fête foraine le jour du hold-up. Et la perquisition à son domicile? Ah ben là, c'est un bon point. Elle n'a rien donné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de laisser tomber. On arrive après la bataille.
Et demain, le dossier va être remis au parquet. J'aime pas ça. Par contre, je vais faire une chose. Je vais aller voir Wilson en prison parce que je l'ai promis à sa femme. Moi, ce qui ne m'est pas dans cette affaire, c'est la bande. C'est complètement volatilisé. Et plus de traces du pognon. La voiture. On peut rien en tirer. Les numéros étaient faux. Et la fille. Tu te rends compte, quel culot ? Même pas masquée. T'en fais pas. Elle n'ira pas bien loin. Alors, ça boum, ce bras ? Pas terrible. Je me demandais justement si j'étais encore capable d'atteindre la cible avant toi. Chiche. T'as vu Wilson ? Oui. J'ai vraiment le sentiment que ce mec-là, il est innocent. L'ennui, c'est qu'il n'a rien pour sa défense. Mais bon Dieu, s'il dit vrai, il y a sûrement quelqu'un qui l'a vu dans cette sacrée fête foraine. Évidemment, mais dans une fête foraine, il y a du monde, il n'y a personne. Écoute, j'ai une idée. J'ai un ami qui travaille au journal, il va nous pondre un article, et je te garantis que ça va bouger. Bon, moi je veux bien, je te donne carte blanche. Bon, maintenant je vais voir le juge d'instruction. Mais enfin, cher monsieur Marshall, vous rendez-vous compte de la situation? On m'a remis un dossier en bonne et due forme. Que voulez-vous? La justice doit maintenant suivre son cours. Laissez-moi quelques jours, quelques semaines, afin que je puisse réunir des éléments nouveaux pour cette affaire. Vous comprenez? Je vous connais, je vous sais de bonne foi, mais vous me demandez de faire quelque chose qui est contraire à la procédure. Entrez. Et dans ma place, madame, mine à votre canard. Prenez place. Merci. Ah bah tu penses, c'est bien lui. Oh, sûr. Alors Sonia, un tour de voiture tamponneuse, un tour de manège. Mais l'heure exacte, c'est. Dis Pépé, je vais à Cosnel. C'est un vrai morphal. Ben alors qu'il était, ben écoute. Écoute, Marshall, l'affaire Wilson, c'est mon affaire. Si tu voulais t'en occuper, il fallait rester chez nous. Maintenant, laisse tomber. C'est notre affaire. Eh, mais fille, on peut hésiter chez nous. Allez. Commence à nous montrer. Allez. Casse pas vite fait. Hein. Ouais, on se retrouvera, Marshall. On se retrouvera. Allez. Hé, les gars, venez voir, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. Allez, Robbie. En tout cas, cette fois, Wilson ne pourra pas être accusé d'avoir assassiné la fille. Évidemment, le fait qu'elle n'était pas masquée n'a sûrement pas arrangé leurs affaires. Ah non. Ils ont eu peur, tu comprends? Ah, c'est enfoiré. Cette bande de pourris, là. Tout ça pour des flics. Bien sûr. Il fait de ces chaleurs. C'est vraiment bon, oui. Dis, tu pouvais pas t'arrêter un peu, là? J'ai une de ces envies de pisser. Ah, oh, bonne idée. Dis donc, patron, si je comprends bien, on a un bon temps d'avance sur Bobby. Je pense bien. Et je compte le garder. Tous les témoignages que nous avons récoltés, ça va faire l'effet d'une bombe. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour. On a couvert? Oui. Bien, Mike, avec ce mec-là. N'oublie pas trop le contrarier. Tu y risques ta peau.
Il a raison. Oublie Tavo et cherche un autre coin de soleil, crois-moi. Je ne te permets pas laisser passer ça, non. Non seulement on fait comprendre qu'il faut que je me casse, mais en plus, je suis sûr que c'est eux qui ont négocié ma mort. Tiens, le coup du peigne. Ah, je pourrais en dire des choses là-dessus. Non, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Les salauds, je les buterai. Écoute, écrase et ferme ta grande gueule ici. Gilbert. Oui. Dis donc, le cow-boy à la veste à frange, qui discute là-bas. Tu le connais? C'est un habitué, le gars. Tu connais sa voiture? Oui, il a une bagarre grise, là, juste devant le terrain gauche, là. Bon, les gars, c'est pas tout ça, hein, mais il est de plombe. Il faut que je me casse. Dis, mec, qu'est-ce qu'on s'écoute? Metal ou Pink Floyd? Non, mais tu prends ma tire pour un auditorium? Non, mais à la limite, ça peut se transformer en confessionnal. Pourquoi? T'es curé? Non, je suis flic. Et moi, je suis le pape. Je suis le pape de Rome. Elle, c'est la Sainte Vierge? Non, elle, c'était Françoise. Désolé, vieux. Mais si je suis là, c'est que dans cette affaire, tu peux m'aider. Et je peux t'aider. Quoi? J'en suis sûr. Eh bien, j'aimerais que tu m'expliques. Tu me précises le coup du peigne. Le coup du peigne. J'ai compris. Depuis peu. Cigarette? Oui, merci. C'était il y a environ 2 mois. Avant le hold-up. Je finissais mon service au Kiklos. Le fameux Wilson, à l'habitude de la boîte, était bourré comme un phoque. Et on n'arrivait pas à le faire sortir. Alors je lui ai dit comme ça... Bonsoir, chéri. Dis bonhomme. Bonsoir. Basta, assez de scotch pour ce soir. Hein? D'accord. C'est l'heure de dormir, et puis pour tout le monde. Bon, maintenant tu vas nous laisser 20 sacs. Oui, ma chérie. Et puis tu vas aller faire un gros dodo. Oui. T'adore. C'est très bon. Toi aussi, t'es très bon. Moi, je vais laisser pousser mes cheveux comme toi. Et je vais couper ma moustache. Voilà. Voilà. Merci. Moi. Et l'anglais, ton paye. Laisse. Je lui rendrai. Voilà, maintenant t'as compris, Peg. Il l'a gardé. Ils sont seulement 6? Oui. À cette heure-là, ils finissent de faire l'orchestre. Mais fais gaffe, si tu veux les coincer à 19h, 19h pile. Mais qu'est-ce que tu fous? Batte un œil là-bas. Oh les vaches! Ils nous ont gagné. Salaud. Il m'a doublé. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce dedans? Tu sais t'en servir? T'inquiète pas. Si je sais pas, j'apprendrai. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on attend ?
Attention les mecs, sortez vos fusils, on a tous les flics du comté au cul. Le virage. Les potes, on a entendu le commissaire qui rapplique. Ah, attends, je vois plus clair. Tiens, demande-lui voir s'il a pas un peigne de Wilson. Ça va pas les cons, Max. Ce peigne, ça suffit.